Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir la star de la WWE, le plus grand champion de sa génération, celui qui fait crier les foules. Quelle idée de merde d'entrée, ça aussi, encore, là. Pourquoi je fais ça ? Monsieur, messieurs, dames, veuillez, s'il vous plaît, accueillir le grand champion. Celui qui fait évidemment hurler les foules. Le nouveau prodige. Attendez. Mettre en plein écran. Attendez. Ouais, hop. Attendez. S'il vous plaît, messieurs, dames, veuillez accueillir The American Dream. Celui qui espère devenir demain le champion de la WWE à SmackDown. J'ai bien évidemment nommé Michael Kirby. Il est là, messieurs, dames. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, évidemment. Il fait son entrée. Mais regardez l'homme invisible. Regardez. Il est prêt, évidemment, à tromper tout le monde. Il est là pour faire trembler les foules, pour soulever l'enthousiasme. Au sein de la WWE, tout de suite, tout juste. Putain, mais j'ai récupéré l'ancien mulet parce que je sais pas où est l'autre. Bref, en tout cas, je suis ravi évidemment de vous retrouver pour... avec mes énormes pecs là. De vous retrouver avec mes deux potes les pecs pour la suite de notre aventure. Comme je le rappelle, nous sommes donc... Un heel, à SmackDown. Nous avons tout juste été trade à SmackDown puisqu'on faisait du surplace du côté de Raw. On ne nous faisait pas confiance pour donner une chance pour le titre. Donc on a décidé d'aller à SmackDown et d'aller défier Roman Reigns à SmackDown. Il va falloir qu'on fasse nos preuves dans cette nouvelle division. Et voilà, qu'on soit tout simplement la star de demain, celui qui fera la différence. Putain, mais moi, c'est... Ah, voilà, on n'est pas bien comme ça. Merveilleux. Donc voilà, merci beaucoup Zeratos, merci pour l'abonnement bien sûr. Et écoutez, je pense qu'on va être pas trop mal. Hop là, voilà. J'ai tout déglingué. Énorme. Voilà, boum. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, j'aurais pas dû enclencher ça. Quelle erreur. Attendez. Big E. Voilà. Parce que je pense qu'il va falloir que je... Hop. Nickel. Est-ce qu'on a... Alors, je regarde. Il faut qu'on fasse un autre... Alors, du coup, on était arrivé là. Hop. Du coup, on vient tout juste d'arriver, donc peut-être qu'il faut bureau du MG de SmackDown. On va aller voir le MG de SmackDown. Est-ce qu'il va peut-être nous proposer directement un petit contrat, un truc pour nous motiver, quoi, parce qu'on est transfuge, mais je pense qu'on doit jouer directement le haut de la carte pour moi. On doit jouer le haut de la carte de SmackDown. Est-ce que SmackDown est le show le plus dominant aujourd'hui, la WWE? C'est pas sûr. Adam Pearce, bien sûr, General Manager. Hey, t'es au courant Jimmy pour la blessure de Jimmy Uso? J'ai de la peine pour lui. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Yeah, but what does that have to do with me? Sa femme Naomi a besoin d'un nouveau partenaire pour le tournoi Mixed Match Challenge. Je te rappelle que les vainqueurs seront les co-MG de SmackDown pour une soirée. Alors, ça t'intéresse de prendre sa place? Ah ouais, co-MG? Yeah, I'm in. Et si on peut être co-General Manager et qu'on peut essayer de se placer pour un match au titre, ça peut être pas mal, hein? All right, I'll make it official. And you should probably go talk to your new partner when you get a chance. On va parler à notre nouvelle partenaire de rechange. Ah, mais on peut être... on peut avoir une nouvelle partenaire. Alors peut-être. Si on peut peut-être aller récupérer un match pour le titre, moi je suis chaud. Hein. Oh là, c'est très rose. Hein. Naomi. What's up, new partner? What's up, new partner? On joue pas trop dans les clichés, c'est bien. So you heard, huh? T'es au courant alors?
Ouais, j'étais dégoûté que Jimmy soit blessé, mais je crois qu'on va pouvoir tirer profit de cette situation. On est où dans le classement? J'avoue que j'ai pas trop suivi les Mixed Match Challenge. Sérieux? Pas de temps à perdre. Avec une séance de rattrapage, les éliminatoires vont commencer et on est face à The Miz et Maryse. Mais bon, j'ai compris. T'as intérêt à assurer. J'ai prévu des trucs de dingue pour les soirées où je serai général manager. Je veux être manager aussi. Alors, t'en fais pas, j'ai prévu d'honorer ma part du marché. Donc là, le but, c'est qu'on gagne nos matchs de qualif. Et Michael Offie prend soin de ma Naomi WWE dans le Mixed Match Challenge. Dommage, je voulais être le MG, mais c'est encore possible pour elle. T'as intérêt à assurer, Jimmy Uso. Et je pense pas qu'on a la musique d'entrée de Maryse, puisque du coup, c'est... Ah, si, peut-être qu'on l'aura. Maybe. Merci beaucoup Joseph, merci pour le 19e mois d'abonnement. Allez s'il vous plaît messieurs dames, on va faire du bruit, un maximum de bruit pour la première entrée du jour. S'il vous plaît, du catcheur, que dis-je, de la star, de l'étoile montante, du phénomène. Michael Kerbeef. Oh le Mixed Match Challenge. Now, this is a team I never expected. Et c'est une équipe que l'on n'attendait pas bien sûr dans cette confrontation. Il s'agit évidemment... The American Dream. Alors qu'il vient tout juste d'arriver à SmackDown, Michael Kerbeef peut-il faire la différence? Il est le phénomène du catch actuel. L'ancien joueur de football américain, ancien combattant à l'UFC, cycliste. Il a aussi fait du tennis, cyclisme. Il avait fait du football et maintenant il se lance du basket également. Il se lance désormais dans une carrière de catcheur et il arrive à SmackDown avec l'envie d'en découdre, celui qui a été champion des États-Unis du côté de Raw. Et maintenant, on accueille les adversaires du soir et notamment l'ancien champion, celui qui a eu le plus long titre de l'histoire des États-Unis, le plus long titre des États-Unis de l'histoire, The Miz. Oh là. Isago. Wow. Strass et Payette bien sûr dans ce mix match. Avec The Miz qui a d'ailleurs fait équipe avec Logan Paul à WrestleMania cette année. Et ouais, il a fait effectivement. Et d'ailleurs, il l'a trahi à la fin. Il a gagné avec Logan Paul d'ailleurs, mais il l'a trahi à la fin. Le petit salaud. Et Logan Paul qui était loin d'être dégueulasse en catcheur. Hein. Loin d'être dégueulasse, hein. Assez impressionnant. Hein. Allez, c'est parti. The Miz. L'ancien. On passe l'équipe avec Cody Rhodes. Et boum, directement. Du coup, on va avoir le droit de frapper Maryse tranquillement. Tiens, aucun là. On voulait, hein. On veut encore. Et voilà, la petite descente ici qui fait plaisir, bien sûr. Michael Kerbeef qui se fait entendre tout de suite. Voilà, allez, on soulève tout de suite. Et là, le powerbomb qui va être lancé sur le Miz. Ouh, le broad kick. Terrible dans la face du Miz. Et là, peut-être le bulldog enchaîné juste derrière. Ouh, il est contré, il est retombé sur le scrotum. Le scro smash, le scrotum. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Oh, boum. Il esquive. Il revient tout de suite. Oh là là. Attention, le souplex. Non. Oh, sur les cordes. Aïe. Oh, la vitesse est démentielle, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, lui. Oh, il a fait quoi? Attendez, oh, s'il vous plaît. On respecte. Oh, par contre, Voilà. Voilà. That's the Miz. No. Aïe, neckbreaker. Oh, le double neckbreaker. Aïe. C'est terrible. Ah, il faut forcément que je switch. On peut pas se battre. Ok, super. On a pas le droit de se battre entre. Ok. Ce qui est compréhensible d'une certaine manière, bien sûr. Oh le chassé.
Alema pour Naomi qui met tout de suite le coup de la corde à linge. Oh, le splash directement sur son adversaire. Allez, on va la relever. Et là, directement, boum. Oh, le retourné, elle va la relever encore. Ah, c'est marrant, elle. Oh là, oh là. Voilà. C'est énorme, parce que c'est pas ce que je veux faire, mais bon. Tiens. Oh non. Oh, boum. Allez. On va attaquer direct. On va empêcher Omis de récupérer trop vite. Oh, le broadkick tout de suite. Oh, le broadkick de Michael Carvif qui était terrible. Il va le relever. Il va le mettre. Oh là là, encore une fois, il va passer peut-être le powerbomb. Oh, le powerbomb encore terrible. Mais Omis qui se fait mais maltraiter. Hein. Maltraiter sur le début de match. Ouh. Oh, le phénomène. Aïe. On n'a pas réussi à mettre de la soumission en place. Aïe. Allez, Carlif. Oh, il fait encore le travail. Oh là là, il vient lui casser les hanches. Le travail de concasseur. Et le coup de la corde à linge par-dessus. La troisième corde. Et la descente juste derrière. Et la paralysie est totale. Du côté du Miz. Il se fait maltraiter, hein, le pauvre. D'accord. Allez, le coup spécial. Oh, boum. Oh, la suplex. Oh, la souplex. Oh là là, encore une fois. Il va encore l'enchaîner une troisième fois. Oh là, mais c'est terrible. Oh là 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 là. Il lui a fait, mais il l'a déglingué. On peut pas la frapper. On peut pas frapper les quatre choses. Vous me direz, c'est une bonne chose. Oh, le spear. Alors peut-être. Oh, il va lui casser le bras. Il va lui casser le bras. Aïe, 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 aïe. Allez, on va relever The Miz. On va le mettre dans un coin. Oh. Oh là 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 là. Il est en train de le maltraiter. Et là, directement. Oh, il m'a esquivé. Oh, salaud. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Il m'a esquivé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Oh, quoi, lui, il est fou. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh, le hot tag. Voilà. Oh, quoi, elle. Oh, on a essayé de mettre de la sauce barbecue, mais ça n'a pas suffi. Oh, le splash. Oh, c'est terrible. Encore une fois. On va remonter encore. Encore. Encore! Encore! Parce qu'une fois ne suffit pas forcément. Encore! Encore! Oh, le troisième splash! Le Swiss splash! Oh là 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 là, terrible! Maris qui se fait mais maltraiter! Allez, Naomi est en position. Oh là là! Oh non, on contrait aussi! Oh non, mais on se fait contrer à chaque fois! Oh, la gifle! Aïe! Aïe aïe aïe! Tiens, le chasser tout de suite. Tiens, hop, on se fait le tag. Allez, The Miz. Sur le Miz. Oh, le spear. Oh, il est terrible. Le spear était terrible. Oh là là, et le. Encore le coup de la corde à linge par-dessus la troisième corde. On est en train de le pulvériser, le Miz. Allez, encore, encore. Oh non, là. Oh non. Non, et Naomi qui est en train de se battre à l'extérieur. Ouh. Oh non. Non, 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 non. Oh, il a cru quoi. Attention, le Miz, hein, qui va avoir sa prise de finition. Attention. Allez, Michael, allez. On se réveille. Ouais, ça a pas marché, hein. Oh, le spear.
Alors peut-être. Voilà. Il est bien le Miz là, il me... Ah punaise, il se relève à chaque fois. Aïe. 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 Ah, ça fait mal. Ah, c'est... Oh, oh, close line. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se réveiller, hein, Maryse et The Miz là. Oh là là. Oh là là, saut. Elle est trop trop chaude, Maryse, alors que je l'ai pulvérisée sur la première partie. Aïe 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 aïe. Le backbreaker terrible. Non, non, mais on est en rope break de toute façon. Et on est bien. Allez, on se réveille, Naomi. Allez, c'est pas fini. Allez, Naomi, allez, on se relève. Oh là là, le clothesline. Allez, oh non, mais je me fais encore esquiver. Aïe, 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 terrible. Ça fait deux fois que je me fais esquiver le finisher. Alors qu'elle va le placer direct. Aïe, 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 même pas. Voilà. Voilà. Elle esquive tout. Elle est trop forte. Aïe 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 aïe. Allez, relève-toi. Oui. Voilà. Voilà, le coup de pied dans la tête tout de suite. Allez, on va monter. Oh là, le petit saut ici. Allez, cette fois-ci c'est bon. Elle est à notre merci. Elle va se relever. Elle va se relever. Allez, c'est parti. Oh, le roll-up. Oh, la soumission. Oh, la soumission. Allez. Allez. Oh, la soumission. La soumission. Si, vas-y. Allez, c'est parti. Allez, peut-être le tout de suite, le bulldog sur le Miz. Oui, tout de suite. La pression qui a posé par Michael. Oh, le coup de pied. Aïe, 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 l'erreur. Allez, relève-toi, Michael. Et voilà, tout de suite, on casse les côtes. Allez, le coup spécial. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et le Spear. Le Spear. Oh non, l'esquive. Oh, il a tout esquivé. Il est trop fort. Voilà. Voilà, et là on replace directement le tournoi. Voilà, on le relève tout de suite. On le met dans en difficulté, le Miz. Allez, on l'envoie dans le coin. Et là, on va avoir le Canadian Destroyer sauce barbecue, bien sûr. Et là, il ne pourra rien faire. Et là, directement. Ouh. Oh là 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 là, le Miz. Allez. Oh là là, mais elle fait quoi elle? Sachant qu'en plus je peux pas la taper. Oh là là, il se relève derrière. C'est pas possible. Il en faudra une autre. Parce que je peux pas la... Je peux pas la dégager là en fait. Voilà, encore. Je peux pas l'enchaîner. Le Miz, il est KO là. Voilà. Allez, relève-toi. Allez, cette fois-ci ce sera fini. Cette fois-ci ce sera fini. Oui. Oui. C'est fini. Allez, c'est parti, étape 1. Elle veut pas nous aider l'autre là. Je peux pas l'aider du tout quoi. Et encore, encore. Allez, c'est encore une fois. Allez. 1. 2. Oh, il se dégage, c'est pas possible. Oh, le broad kick. Aïe 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 aïe, j'arrive pas à terminer le truc parce que je peux pas taper le... Voilà. Ah, je peux pas le... Tu vois, je peux pas les gérer quoi les deux. Voilà, le clothesline. Allez Naomi, allez c'est bien.
Merci beaucoup Maëvitch, merci pour le troisième abonnement. Je t'ai connu à Cast of Origins, puis je t'ai retrouvé avec Ponce, pas de temps pour regarder tes lives, j'adore ta personnalité, ça fait plaisir de te soutenir comme ça BG. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, évidemment avec enfin, c'est Michael qu'on soutient évidemment là, c'est sûr qu'on espère. Voilà, là il faudrait que j'arrive à la mettre KO elle, mais. Allez, on l'esquive. Ouais. Oui, c'est bon, c'est esquivé. Oui, voilà, tout de suite. Ah oui, alors peut-être. Ouh, le Rick and Rana. Tout de suite. Oui, on enchaîne les coups de pied au sol. Y'a pas de peine, hein. Aïe. Ah non, le Spybuster. Voilà. D'accord. Voilà. Oh Naomi, non, 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 non. Oh le rope break. Oh la chance. Oh le rope break incroyable. Mais attends, c'est trop. Oh le rope break. Aïe, 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 aïe. Ah, je peux pas. Ah, je peux rien faire. Pour l'instant, je peux rien faire. Je suis complètement bloqué. Sauf que. Ah, je suis paralysé de fou. Il faut qu'elle fasse un tag là maintenant. Là on est mal là. Là on est avec Naomi, on est très très mal. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Okay. Je peux rien faire. Allez, relève-toi Naomi, s'il te plaît, je t'en conjure. Et on fait le tag, c'est bon. Oui, le spear tout de suite. Voilà. Voilà. The Miz, c'est notre petite. C'est notre chose, hein, The Miz. Hein. On fait ce qu'on veut du gars. Oh non, j'ai ça. Oh là, il est terrible. Si vous faites la reine, merci pour le 15ème mois. Je réveille mon prime. Il a bien fait. Et faites comme fait la reine. N'hésitez pas à réveiller votre prime. Si vous l'avez, évidemment, on n'hésite pas, bien sûr. Voilà le spear. Allez. Oh non, mais il m'a contré. Oh non, mais attends, c'est trop. Il y avait une mini barre verte, il a pu me contrer. Oh là là, voilà. Voilà. Allez, peut-être. Alors, peut-être. Let's go! Let's go! C'est gagné! Enfin! On a gagné! On a gagné! Let's go! Woo! Sachez que. Bonjour à toutes et tous! Sachez que si je suis venu dans le show bleu, que si je suis venu à SmackDown, c'est pour pisser sur la concurrence. The Miz n'était que l'apéritif. Je suis ici pour récupérer ce putain de titre. Donc j'espère en tout cas qu'on va me faire confiance à la WWE. Et sachez qu'en tout cas, je suis prêt. Je suis prêt à faire ce qu'il faut. À faire ce qu'il faut pour récupérer un titre qui semble me revenir quand même. En tout cas, j'espère que les gens sont prêts. Allez. Oh, le Miz qu'on a, on l'a maltraité le Miz, on a dû lui mettre 8 spears pour que ça se termine et on a enfin réussi à gagner notre premier match à SmackDown. Vendy va raisonner, bon ce bordel, il veut déménager à Montpellier, mais qu'est-ce que je vous dis, il veut déménager à Montpellier, hein. Suffisamment bon pour gagner et c'est tout ce qui compte. Continuons comme ça la semaine prochaine contre Josie et The Paragon. Ah, nous on continue. Hein. C'est qui le champion? C'est Roman Reigns. L'occasion de regarder Okada, Omega, au Fedri. Non, j'ai pas eu le temps. Il est dans mes favoris toujours. J'ai pas eu le temps de checker. Là, j'ai regardé plus la rediff de. J'ai plus regardé la rediff de WrestleMania cette année-là. Des fois, n'hésite pas à tenter un tombé avant de faire finisher. Plus tombé afin de
faire intervenir l'équipier et l'ennemi avant qu'il tombe dessus. Ah, donc il faut d'abord faire le tomber avant. Ah, intéressant, intéressant. Allez. Allez, c'est reparti. Allez, messieurs, dames, des fumigènes, bien sûr, pour Kirby, et pour Naomi, sa coéquipière, bien sûr. The American Dream qui continue son rêve de pouvoir être le GM de SmackDown. Une soirée pour espérer pouvoir aller défier Roman Reigns. Et donc, on fait face à Paragon. Connais pas le man. Ce n'est pas le gars. C'est un gonze créé que pour le jeu. Ah ouais? Mais non. Ils font ça. Paragon, c'est un... Pas le gars du début. Ah, c'est possible. Et elle, je connais pas non plus. Josie Jane. Ce n'est pas Josie Jane. Sorry! Elle non plus n'existe pas. Ah, c'est même pas des. Oh, ça dégoûte. Allez, let's go. C'est vrai qu'on dirait Vicky Guerrero vite fait. Allez, on le déglingue. Hein. Oh, le je perds tout de suite. Paragon J. Pierce. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, tout de suite. Et là, on va le reporter au sol. Ouh. Oh, le travail au niveau de la tête là, qui va payer rapidement. On le sent. Allez, tout de suite. Oh, dommage. Non. Aïe, 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 il m'attaque dans le dos, Paragon. Et on pourrait dire que c'était un Paragon de mauvaise foi. Ouh, et là, je vais travailler dans le genou. C'est pas un Paragon de violence. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il me soulève. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, relève-toi. Relève-toi, Michael. Voilà, tout de suite, on lui met la pression, elle. Par contre, moi, pas chaud, hein. Voilà, allez, ça tags out direct. Moi, je lui remets ce qu'il veut, tiens. Oh, le power slam. Oh, j'ai été bien accueilli, tiens. Aïe. Oh non, pas encore. Aïe 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 aïe. Mais il me lâche pas, Paragon. Je peux rien faire. Mais attends, mais il est trop fort. Non, mais attends. Et je peux rien faire. Il est trop fort. Ah oui, c'est le mec qui commence avec moi, Paragon. Vous avez raison, j'avais oublié lui. C'est le gars qui commence avec moi au début. True stories. Allez là. Allez. Allez. Allez, on se relève. Allez, 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 Michael. Allez. On rechange les. Mais quoi? Mais il est trop fort. J'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qu'il fait N'importe quoi. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? On est fou. Allez, on lui fait mal, on lui fait mal, on lui fait mal. Allez. Allez, on saute en deux. Allez, Paragon Pierce, alors on est deg ou pas? Voilà. Et pourquoi est-ce que je peux pas me... Il est trop fort, lui. Hein. J'ai esquivé, hein. Normalement c'est bon. Voilà. Et voilà, on le retourne tout de suite. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, RKO. Oh, l'extérieur du ring exceptionnel. Voilà, on le casse le crâne. Eight, nine,
J'ai à peine transpiré quoi. N'est pas un objectif sans gagner avec un tombé, une soumission. Oh non, mais la lourdeur. Mais quoi, mais ça suffit de ça normalement. Non mais attendez, c'était pas stipulé du tout, il fallait juste gagner. Mais quoi? Faut gagner à tombé une soumission. Non mais c'est à chier, c'est de l'arnaque, j'ai gagné le combat. Oh non, mais j'avais tellement bien tourné la situation. C'est marqué à gauche, mais c'est marqué, mais c'est pas vraiment marqué, c'est pas clair, c'est marqué en petit à gauche. C'est comme les conditions d'utilisation générale, on n'a pas tout. Personne ne lit ça. Vous le savez très bien, vous êtes de mauvaise foi. Bien sûr que non, je l'avais pas. Enfin, c'est. Encore la WWE qui joue. Oh là là. C'est quoi lui? Tiens. Je déglingue, Jay Pierce, tu m'entends? Voilà. Tiens, dans le coin. Coquin. Quoi? Il a esquivé? Mais non. Comment a-t-il fait? C'est impossible. Aïe. Voilà. Attends, on prend un peu de temps. Elle revient là, Jay Pierce. Oh, le broadkick qui peut passer. Mais attends, mais il est... Voilà, hop là. Tiens. Aucun. Il est fort quand même, hein, lui. Hein. Il esquive beaucoup de coups et tout. Oh là là. On va faire un petit switch avec Naomi, le temps de récupérer pour Michael. Voilà, dans le coin tout de suite. Ah d'accord, donc elle se met bien tout de suite. Voilà, c'est bien. Allez Naomi, voilà. Oui, le chasser dans la tête tout de suite. Pour montrer c'est qui la patronne. Elle se met en place tout de suite. Allez hop, troisième corps tout de suite. Le frog splash. On a descendu coude dans la tête de l'arbitre. Pardon. J'ai déglingué Robert. Désolé, my bad, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. L'arbitre qui a pris son petit tarif. Aïe. L'arbitre qui s'est fait pulvériser. Hop là, on se relève. Voilà. Mais c'était pas volontaire, on n'était pas. C'était pas. La charge pour répondre. Ah, mais elle est pas mal hein, si Naomi elle envoie là. Hein. Attention monsieur l'arbitre, écartez-vous cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Tiens, voilà encore. Killing me. Oh. Aïe, guillotine sur la troisième corde. Allez. Oh non, mais pourquoi c'est elle qui s'en sort là-dessus? Oh, là, terrible. Voilà, close line là qui fait du bien. Voilà, on travaille au niveau du bras. Voilà, très bien. Voilà. Mais comment fait-elle? Voilà. Elle a petite prise à deux. Elle a prise à deux, incroyable. J'aime pas qu'on pouvait faire ça. Oh le DDT. Oh le double DDT. Qui va pouvoir être posé juste après elle tomber. Mais non, c'est pas sur lui qui va faire tomber. Mais c'est à chier. Pas sur elle qu'il faut faire. Pas sur lui qu'il faut faire le tomber. Aïe, sur l'autre ça aurait été gagné, mais là c'est nul. Allez, c'est pas grave. Tiens.
Fais le tomber. Alors peut-être. Tomber. Oh, il se relève le coquin, il se laisse pas faire. Il me charge direct. Oh non. Oh là là, mais il fait des vrais trucs lui aussi. Hein. Et son petit coup spécial. Allez. Aïe aïe aïe. Oh là là, il me met contre le truc. Ah mais il croit quoi, lui il est fou. Allez relève-toi Michael, allez Michael, on s'accroche. Tu l'as déjà battu une fois. Aïe. On l'a esquivé, voilà. Tiens le bro kick pour le calmer tout de suite, lui il a cru quoi. Aïe. Tiens. Voilà. Tiens. Voilà. Et maintenant on peut préparer notre coup spécial. Allez, viens là. Allez, viens là. Voilà. Le spear est énorme. Oh, le spear est énorme. Allez, maintenant on peut tenter le tomber. Oh, on se fait péter le tomber, dommage. Allez, le RKO tout de suite derrière. Allez, RKO de l'autre côté. Et voilà, cette fois-ci c'est gagné, l'objectif est accompli. C'est fait. Le RKO into le spear into le RKO. Let's go. Woo. Exceptionnel. Quel combat. Quel team de fou. Et ben voilà. Bon, c'est quand qu'on a notre MG là. Merci pour vos GG évidemment. Et oui, en fait, vous connaissiez pas les catcheurs parce que tout simplement, ben, ils sont, ça c'est des catcheurs qui sont créés. C'est ce que j'attendais de toi, Michael Offie. Pas mal pour un partenaire de rechange, hein. Pas mal du tout. Plus qu'une victoire et on sera les MG de SmackDown. On va avoir Shinsuken et WWE Asuka, futur MG. Ah. Faites ça en privé. Oh là, oh là, pardon. Regardez. Oh, c'est Shinsuke Nakamura. Ah, on va peut-être jouer Shinsuke Nakamura. Merci beaucoup, Hugo. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Et merci beaucoup aussi à Majin. Merci pour le 26e mois. Les 2 ans sont passés et largement dépassés. Merci beaucoup pour le soutien à vous deux. Merci beaucoup, Majin. Merci beaucoup. En fait, la technique, c'est de faire la prise à deux, puis de mettre un finisher direct, comme ça, l'autre est paralysé. Et un peu annuler ton tombé. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, ça, c'est une bonne technique, ça. Et du coup, pour faire la prise à deux, il faut mettre la personne dans le coin. Je comprends. Bonsoir, les cerveaux. Bonsoir, les modos. Bonsoir, Michael Kerbif, bien sûr. C'est lui-même. Allez, c'est parti. On joue notre combat. Donc, nous deux, Naomi et moi-même, on joue face à Shinsuke Nakamura. Et comment elle s'appelle l'autre? Oh là 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 là. Shinsuke Nakamura has a bad attitude to match. No, he doesn't. He just doesn't like you, Saxton. Il est hué, Shinsuke. And from Kyoto, Japan. Elle est tellement mal fait la gestue. Ok, et Asuka c'est ça. Son intro est nul, moi j'aime bien. Hein. En live elle est cool. Oh là 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 là. Shinsuke qu'on a déjà battu plusieurs fois hein, dans notre carrière. Hein. Enfin, une fois au moins. Lui skin. Et là c'est Asuka, je connais pas. I can guarantee you one thing here tonight. Nobody is ready for Asuka. Many have tried, many have failed.
multiple women's championships. She won the first ever women's Royal Rumble. Eh si, sa tenue en vrai, hein. Domination and intimidation. Le feu est vraiment insane, hein. Ah ouais. Donc là on se bat contre le duo japonais quoi. Shinsuke et Asuka. Allez c'est parti. Pour devenir MG de SmackDown. Oh dommage, j'ai raté. Aïe. Shinsuke Nakamura. Oui. Aïe aïe aïe. Oui, le petit coup de coude bien sûr de l'américain. Dans la face du japonais avec le spear enchaîné juste derrière. Pour l'instant, voilà. Voilà, il lui remet le bras ici. Il va lui refaire pression au niveau du bras. Voilà, on est bien. Et en ce moment, j'aime beaucoup la gimmick. Tu regardes toujours du catch, Gauthier ? Voilà, voilà. Vous devez couvrir Shinsuke Nakamura. Ah, c'est ok, c'est moi qui dois le couvrir du coup. Oh non, dommage. These women have been chomping at the bit and now they're about to throw down. Aïe, elle m'a mis une droite. Cash. Aïe. Aïe, non. Ouf. Oh le spa buster. And now the tag resets the action as the men get set to do battle. Il m'a chopé. Ah là. Ah voilà, il croyait quoi lui, il est fou. Là je le porte. Voilà. Encore. Just remember to tag your partner in so you can catch your breath and keep up. Voilà, c'est bon ça. Hop, on monte sur la corde ici. Là, non, je serai assez. Ouah, la descente de la cuisse sur la tronche. Voilà. Comment ça passe ça des fois, tu peux rien faire. Juste il se relève et tu lui mets un coup. Oh là là, terrible. He tags out, so now the women are going to go one-on-one. Voilà, tout de suite de chasser dans la tête. Off well. Ah, dommage. Attention. Aïe. Petit coup de genou. She's got the whole WWE Universe rallying behind her. Voilà, elle faisait la manine, elle est folle. Voilà, on l'envoie dans le coin. On la suit bien. Ouf. Voilà. Voilà, allez. Ouf. Aïe. Voilà. Ok, ouais, elle est folle, hein. Allez, la descente. Oh, le splash. Oh là là, on a pris cher. Aïe. Voilà. Attention à l'objectif, hein. Évidemment, n'oublie pas, on peut pas gagner avec le décompte à l'extérieur, bien sûr. Voilà. La petite prise à deux là. Voilà. Petite prise à deux. Et là le double DDT qui va régaler. Oh, on s'est fait contrer tous les deux. Aïe, terrible. Oh ouais, non mais d'accord. On s'est fait. Voilà. Ah, j'ai mis la grosse patate dans l'arbitre. Tiens.
Tiens, la Temi encore une fois, la série de la Temi. Voilà, il croit quoi lui? Voilà, il croit quoi Shinsuke Nakamura? Il croit que ça va être facile. Ah, il m'a contré, salaud. Yeah. Non, pas dans ma tête. Pas dans ma tête, Shinsuke. Tiens. Ah là, la petite prise. Oh là là, mais. Aïe. Tiens. Il close line là, elle croit quoi elle? Aïe. Tiens. Il se relève pas hein, Kirby. Enfin, donc là maintenant, c'est l'angoisse. S'il se passe un truc mal, on est mal. On est vraiment dans la sauce. Oh là là. Si elle fait. Ah non, faut pas l'esquiver quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Oh non, on a tapé. Oh non, ça dégoûte. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Oh là là. C'est pas mérité. Oh là, c'est dur, hein. On a pris tellement cher avec Asuka. Ah, la prise de soumission, elle arrivait juste derrière, on a rien pu faire. Mais c'est chaud, hein. Ah, le niveau est relevé quand même, hein. C'est-à-dire quoi l'objectif? Couvrir, ça veut dire bah, il faut faire le tomber sur lui quoi. Je peux pas faire de soumission, il faut que je fasse vraiment un tomber à 3. Tiens. Voilà. Voilà, je le porte ici. J'enfourche et voilà. Voilà. Whatever it is, it's gonna hurt and it's going to hurt bad. Perched up top, could be looking for a superplex. Maybe something more. This is gonna be big. It's gonna hurt. Voilà. Ouh. Alors là, le Shinsuke, on est en train de lui faire la spéciale. Il a même pas le temps de réfléchir. Là. Voilà. Oh quoi, lui, il est fou. Oh, le broad kick direct. Je le remets dans mon coin là-bas. Tiens. Voilà. Oh. Terrible. J'étais tellement en train de lui faire la leçon. Tiens. Voilà. On lui tombe dessus, c'est bien. Merci beaucoup Arthur, merci pour le raid. Bienvenue à ceux qui arrivent évidemment. On est en plein match de catch bien sûr. Quoi quoi elle. Tiens. Ah le bulldog tout de suite. Oh, il fait. C'est terrible ce qui se passe pour lui là. Shinsuke's strong style will still give him a chance in this match. Oh là là. Very good chance. Aïe aïe aïe. Non, c'est raté sur un coup. Voilà, on va tag. Aïe. Ça c'était pas top. Aïe. Oh mais Asuka elle est tellement forte, elle tape si fort. Elle tape si fort. She tagged out, but if you ask me, I think her opponent wanted a break too.
Allez, là on le reprend et boum. On lui met une pression à lui là. Ah, réponse. Eh bah, dommage, parce que du coup, tu vas te faire bannir aussi ici, bro. Dommage. J'ai parlé coréen sur le stream de pro, je me suis fait bannir. C'est des merdes. Bah, dommage. Dommage d'avoir insulté les monos des, monos des autres chaînes ici, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Est-ce que ça marche la prise à deux? Finisher tag team, est-ce que ça fonctionne aussi comme ça? Parce que j'ai peur que... Oh non, on se fait contrer, terrible, les deux. Dommage. Voilà. Voilà. Pourquoi parler comment ça s'avait faire déjà? Ah déjà oui. Merci beaucoup Achille, merci pour le 24e mois. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci, voilà. Asoka, attention, Asoka parce qu'il faudra faire gaffe parce qu'elle a son finisher aussi. Voilà. She gets the tag. That means her opponent has to leave the ring too. Oh là là, dommage. Non. Aïe aïe. A kick drops them to their knees and now kick after kick after. Non mais il est. Aïe aïe aïe. En tout cas, c'est une masse. Ah, allez, c'est chaud hein. On n'arrive pas à la gérer. Hein. Je sais pas comment il nous a mis mal en un coup lui. Ah il est dingue. Allez, relève-toi Kerbeuf. Allez Kerbif. Allez. Je fasse gaffe parce que là j'ai mon mate qui est au sol. Ah. Quoi? Mais attends. Ah, mais elle est trop forte sur la. Oh là là, je suis obligé de m'en sortir avec mon. Voilà. Allez. Alors peut-être. Alors peut-être. Ah pourquoi c'est ça? Bah d'accord. C'est trop nul son finisher, c'est une finition. Voilà. Il revient quand Michael là? Michael, tu te relèves quand bro? Allez c'est bien. Michael il se bat à l'extérieur là. Ils font quoi à l'extérieur les deux là? On a besoin d'aide du coup, Michael Kirby s'il te plaît. Oh là là. Non mais attends. Et il revient quand Kirby là? Ça fait trois quarts d'heure qu'il est au sol l'autre. J'aimerais bien reprendre Kerbif qui est. Oh, mais il s'est fait pulvériser de l'autre côté. Ah,
Allez. Ça peut mieux se passer là. Allez, peut-être. Allez. Allez. Sachant que je peux pas gagner comme ça en plus. Je peux pas gagner, il faut que je couvre Shinsuke Nakamura, mais. Bon, Kirby qui se relève pas là, vraiment c'est l'enfer hein. Depuis tout à l'heure il est paralysé. Allez Kirby, relève-toi s'il te plaît. Allez Kirby, relève-toi. Allez Kirby. Oh là là, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. En vrai c'est trop chiant mais... On perd là-dessus, non mais c'est trop relou. Kerbeuf qui reste 3 quarts d'heure au sol là, c'est trop chiant. Il se fait casser la gueule en permanence et du coup on a pas pu faire de changement quoi. Kerbeuf il est au chiotte depuis tout à l'heure. Hein. C'est un peu... J'ai envie de recommencer le truc. Oh, là. I wouldn't count them out here tonight either. Ouais, c'est un peu l'enfer, j'avoue. No disrespect to the teams they beat to get to the finals, but Asuka and Nakamura on a whole different level. Il était quoi devant le stade? Ben ouais, il était fou bugué. And the King of Strong Style will be walking away as co-general managers of SmackDown. Ouais, le mix, le mode mix, il est un peu relou parce que t'es... Ah bref, c'est pas grave. Y a rien. Ah. En plus, on combat vraiment des bons combattants quoi. Genre je sais ce qu'il y a derrière Kamura et vraiment Asuka elle est tellement forte, c'est vraiment un truc de fou hein. Naomi fait pas le poids. Voilà. Kirby fait la buvette bien sûr, bah attends il avait pas le temps, Kirby il était full buvette hein. Allez, voilà. On gère les affaires. We'll find out soon enough if he's even a good tag partner. She's feeling it, and the WWE Universe is feeling it too. Into the turnbuckle. Voilà. High drop kick. Voilà. Ok. Ils rigolent dans le vestiaire, ouais c'est ça. En train de se dire mais qu'est-ce qu'ils font les boucs. Voilà. Attention, ouais il nous retourne. Allez. This is ridiculous, this is insulting. This is entertaining. Ah, Kamura. Allez. Allez, voilà. 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 On retourne. Voilà, un peu de brutalité comme ça là. Allez, relève-toi Shinsuke, relève-toi gamin. Voilà le spear directement. Oh là là, il est mal hein. On va faire un truc comme ça. Ok. Allez, relève-toi tout de suite. Qui va réussir à revenir de l'autre côté. Le RKO tout de suite. Alors peut-être. Ah, mais elle est relou elle aussi. Hein. Attag. Comme ça lui il est KO. Voilà. Elle est si forte. Turnbuckle's the only thing keeping her upright. Kick lands. Aïe. Asuka elle est tellement plus forte que mon. Voilà, ma coéquipière.
Ah, tiens. Voilà. Voilà, c'est bon ça. Prise de finition, ça passe. Finition, pardon, ça passe vraiment pas. Ah, si, c'est bon là. Voilà. 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 On va switch maintenant. On passe sur Shinsuke. Là, on est en train de construire le combat. Voilà, là, on se fait bien. Un très gros spear. C'est bien. Voilà. Aïe. Ah, le salaud. C'est mal, hein. C'est mal, le bougre. Voilà. Oh, il est fort. Il esquive encore. Voilà. Un fausse relevé, Allez, Michael. Voilà. Allez, tu le tournes. Voilà, c'est bien. Ça se passe bien. Allez, on va essayer de se faire les deux comme ça. Alors peut-être. Voilà. Est-ce qu'il peut? Non, c'est bon. Oh, il tient bien le coup. Aïe, attends. Ah! Voilà. Voilà, on va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va lui faire mal. Not sure why, but she releases the hold. Well, I think she sensed her opponent was about to break free. Non. Elle peut tag ou pas? Elle peut tag? S'il te plaît. And now the tag resets the action as the men get set to do battle. Normalement, c'est bon, attendez. Ah, c'est pas possible. Ah, allez. Il y a de la concentration. Il y a du concentration dans ce match. Oh là là. Allez. Alors peut-être. Oui, le RKO. Alors peut-être. Est-ce qu'il peut le faire? Alors peut-être. Comment il a fait pour ça? Comment il a fait pour revenir?
Non mais attends. Mais ça va aussi. Allez. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Allez. Allez, peut-être. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Allez. On va le faire. Faut vraiment une stratégie de fou hein, pour réussir à le placer les deux là. Faut pas se faire surprendre non plus par Asuka, ça le truc. Voilà. Ok, allez, on se relève. On se relève. Là, on le relève ici. Oh, mais attends. Quoi? Mais attends, tu sais qu'elle a failli encore gagner sur ça. Run dingue cette histoire, hein. These guys have been looking to beat each other up for a while and now it's their chance. C'est moi, sauf que moi je veux pas faire ça. Oh. Into the turnbuckle. Allez. C'est using the foot as a weapon in the corner. This is dirty. Oh, mais c'est bon. Allez. Can you feel it, Byron? Here they come. Bad vibrations from Shinsuke Nakamura. And allez. Nakamura with a perfectly timed maneuver there. Shinsuke mais gros, ça va aussi. Right so that one coming. Allez, c'est bon. C'est tag. Ouais, c'est bien. Là, je vais envoyer mon finisher. Allez, on va essayer de faire l'attaque à deux, on va voir. C'est trop chiant comme ça. J'en peux plus. C'est le combat le plus long de l'histoire de la WWE. C'est tellement long. Quoi, mais... Et l'autre est paralysé à côté. Je, c'est tellement dur. Ah, on a du sang, on saigne en plus là. Et ouais, mais je peux rien faire forcément. Bah oui, mais. Oh là 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 là, c'est dur! C'est dur! J'en peux plus! Putain. C'est le pire format, c'est trop dur. Oh là là, j'arrive pas à les battre, c'est trop dur. Merci beaucoup, Legono, merci pour le 7ème abonnement. Ah, je vous jure, j'essaie de le faire, mais putain, c'est en fait, en gros, à chaque fois, si je suis obligé de tuer les deux dans un ordre précis, enfin, de kill les deux. Oh là là, c'est. Allez! Ouf! Allez, on se focus, ça va le faire. Reset mental, y'a rien. Après c'est pour être champion de la WWE, donc bon, mais en fait c'est... Allez. Le mat casse-bonbon un peu. Un peu casse-bonbon, ouais. Allez. Oh non. Typical guy hiding behind his woman. Tellement ça. Allez. Allez Naomi, allez. Je peux pas la pousser avant de tomber en fait. En fait je peux pas pousser les. Comme c'est une femme, je peux pas la pousser. Du coup je peux pas m'en empêcher. On commence bien le combat en plus, on se fait laver. What a shot!
Allez. Allez, enlève-toi. Ça fait trois fois qu'on... C'est la quatrième fois qu'on fait le combat, JPP. C'est tellement long. Allez. En fait, le truc, c'est que je peux pas envoyer quelqu'un enlever Ahsoka, du coup, je vais faire un enchaînement. Elle est injouable. Et Kirby, remets-toi sur le côté. Bro. Tiens, voilà. Allez. Oh, l'humiliation. Oh, le boule. Le gros boule. Allez. Oui, voilà, tout de suite, on enchaîne. On peut refaire la... Aïe, on peut pas enchaîner exactement comme on voudrait. Il fait quoi, l'autre, là? Il est fou. Je veux tag, bro. Kerbif, il est... Qui fait Kerbif, là? Il remonte pas. Je veux pas se battre. Kerbif, on aurait besoin de toi maintenant, en vrai, bro. Kerbif, on aimerait vraiment que tu sois là, bro. J'aimerais bien tag. Bro. Kerbif, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu peux te relever en vrai ou pas? T'es obligé de recommencer parce qu'il veut pas. Il est pas. Il veut pas. Il est bugué, je pense, Kirby, à mon avis. The final match of the mixed match challenge has arrived where Naomi and her partner face a formidable challenge. Ah, il voulait juste rester ringside en mode qui fait sa vie quoi, mais bon, on a besoin de lui un peu quand même. They've been underdogs the entire playoffs and managed to advance this far. I wouldn't count them out here tonight either. Ah bah oui, Kirby, bah ouais, je sais bien, mais bon, allez. Voici, c'est la bonne, j'annonce. Voilà. 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 Voilà, il est mal. Voilà, petite descente de la cuisse. Classique. Ah, voilà, le petit gros kick pour le remettre au sol. Voilà. Allez, allez, peut-être un premier spear. Un premier spear. Ah, ça a pas passé. Oh, si, ça passe. C'est fou. C'est fou, ça passe. Et là, allez, on tag. Voilà. C'est Veski. Et on se fait péter la gueule. Parce que... Parce que je... Parce que je suis sur l'autre, hein. Je suis sur l'autre. Mais non, mais non, mais non. Est-ce que je peux me relever ou pas? S'il vous plaît. Ok. What are they gonna do here? Leg snap. Bang. Rolling neck snap. S'il vous plaît, j'aimerais changer de. Ça s'en sort mieux.
fait deux heures qu'on y est. Allez, est-ce que je peux... Est-ce que... Mais putain, mais... Comment est-ce que je fais pour changer de perso? Enfin, c'est... Attendez. Commande basique. Comment est-ce que je fais pour... Là, elle est... Je contrôle Kirby en fait. Oh, bon, on va essayer de faire au mieux, hein. Il est trop fort lui, je suis vraiment abusé. Il m'est paralysé en deux secondes. Allez, on se relève. Pourquoi est-ce qu'elle veut switch avec moi Qu'est-ce que je... Non, allez. Allez. Mais... Ouh. Envie de crever. Envie de canner. Je demande le time. Je peux pas l'avoir. Ah, il faut changer, s'il te plaît. C'est vraiment... Et pourquoi est-ce que du coup je retourne sur celui qui est... Je peux pas contrôler Kirby. Mais what? Et pourquoi? Comment c'est possible? Manette manuelle du jeu, paramètres jouabilité. Mais comment est-ce que je fais pour cette cible peut-être? C'est vraiment une vanne en fait. Je sais pas comment faire. Mais... Envie de canner. Désolé, excusez-moi, je savais pas comment faire. Là j'avais Naomi, en fait j'avais que celui qui était le remplaçant, en fait j'avais pas le titulaire. Comment j'ai fait? Je sais pas comment ça fait. Alors je ne comprends pas. Il y a combien de temps qu'on est en train de faire ce match là? The Empress of Tomorrow and the King of Strong Style will be walking away as co-general managers of SmackDown. Voilà, c'est bon. Allez, on peut peut-être le faire. Allez, mon grand. Allez, c'est maintenant, Kirby. And he sends him into the corner. He steers clear of contact. Punch right in the head. Ouais. Right hand drives him out of the corner. Oh, the arm's trapped. Allez. Oh, a slam. Strikes with a kick. Really just laying it in. Voilà. Nakamura so elusive. On était trop bien parti sur le match précédent. Allez, German suplex, je me relève. Oh le broc, passe pas dommage. Allez, c'est bien. Allez. Ouh, y a Nakamura qui m'a mis très très mal. Allez, relève-toi, on se relève, bro. On va essayer de voir pour tag. J'aimerais bien charger mes barres bleues avant là quand même.
Ouais. This is dirty. Aïe aïe aïe, il me fait mal. Il me fait mal le bug. Allez, on monte ici. Voilà. On met la pression directe. Aïe aïe aïe. Voilà. Pour l'instant, on le tient. Voilà. Voilà. Il est paralysé. Comme ça, on a le temps de bosser Asuka tranquille. He tags out, which means it's voilà. Now time for the women to compete. Lariat. Voilà, c'est bien. Brought down with a snap air. Asuka turns it around. Right across the aïe. Face. Aïe, aïe, aïe. Alors peut-être, c'est peut-être maintenant que ça va se jouer. Allez, le suplex ici. Oui, voilà, très bien. Merveilleux. Voilà. Alors peut-être, voilà. On a travaillé au sol. Voilà. Aïe, aïe, aïe. She tagged out, but if you ask me, I think her opponent wanted a break too. From way out. Voilà. Ah, au cas où il en voulait encore. C'est marrant qu'il ait changé aussi. Oh, bah tiens, rechange. Il ne peut pas y retourner Shinsuke. Sauf qu'il va bien falloir en prendre un. Aïe. Allez, faut qu'elle remonte. Allez. Voilà. On se fait contrer encore. Et aïe, attention. Je pas dire. Ah, oh, mais elle tag encore. Bah, tu sais quoi? Je tag. Tiens. Comme ça, tu vas voir. Faut absolument. Voilà. Voilà. Mais... Aïe, 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 aïe. On est bien tous les deux, mais avec Michael et Naomi, mais... C'est folle, elle croit que ça va passer. Ah, on se relève. Allez. D'accord. Je ne peux pas l'esquiver en gros là. Ok, super. Voilà, ah, enfin. Aïe. Ok. Oh. Tiens, voilà. Voilà. Allez, on va essayer de passer la technique à deux là. J'espère que ça va passer.
c'est trop dur. Trop trop dur le passer les deux techniques. C'est tellement dur de passer les deux techniques. Il a pas dû y aller. Allez. Allez, sachant qu'en plus il y a que moi qui peut, il y a que Kerbif qui peut couvrir. Oh mais ça va aussi. Allez. Ah, il sort tellement vite le. Oh mais ça va aussi. Il a pas dû utiliser. Oh la Mikao le l'arbitre. Aïe aïe aïe. Allez là, allez, 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 on se relève. Aïe aïe, c'est dur. C'est bon. Alors peut-être. Allez, on essaye, on tente notre chance. Ah, il y a eu le petit truc, je pense. Ça passe. Oh, peut-être. Ah, alors peut-être. Oui, voilà. Alors peut-être. Allez, descends. Faut descendre. Ça va pas descendre. Descendre. Allez, voilà. Allez, descends. Allez, descends. Allez, on peut y aller. Allez. Voilà, c'est un gaffe. Allez. Allez, dis-moi que c'est la bonne. Allez. Ouh. Enfin, on l'a fait. Oh, j'en pouvais plus. C'était le pire match. Je suis désolé, j'étais focus, je parlais même plus. Oh là là là, c'est le pire format, le pire match, mais on l'a fait. En first try en plus, hein. Oh là là là, quel combat de fou. Un CDF, un combat de fou. Oh, j'en pouvais plus. Je crois que j'ai plus sué que eux dans le ring. Mais on l'a fait. On l'a fait. On leur a pissé dessus. Et on devient général manager de Raw. Ah bah voilà. Punaise, il était temps, hein. Ah, oh, on l'a fait. Je suis content. En vrai, ouf. De SmackDown en plus c'était SmackDown. En plus on est général manager de SmackDown, pas de Raw hein, bien sûr, mais bien de SmackDown, le show bleu de la WWE. Félicitations à mon incroyable femme Naomi WWE d'avoir gagné le Mixed Match Challenge. J'aurais aimé être là avec toi, mais je me suis fier de toi Jimmy. Merci bébé, mais on a fait ça à deux avec Michael Offi. C'est vrai. Ouïo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 uï
Non, on se reverra. Et merci encore, je dois appeler Jimmy. Asuka. Alors peut-être, on a le droit à ce titre... Ah, si on a le droit au titre universel, ce serait incroyable. Le transfert payant. Ah, mais si c'est pour récupérer le titre universel de la WWE, ce serait monumental. J'aime pas trop les ceintures en ce moment WWE, je les trouve trop random et les deux se ressemblent beaucoup. Je trouve ça un peu dommage que la ceinture universelle et la ceinture WWE se ressemblent autant, juste le fond qui change de couleur. Je trouve ça un peu dommage. Oh messieurs dames, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pour le titre de la WWE universelle. C'est maintenant, on l'a tant espéré. On n'a pas réussi à l'avoir du côté de Raw. On nous avait pas offert l'opportunité. Maintenant, c'est maintenant que tout va changer. La Big Gold manque, ouais, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Vous le voyez, le challenger qui entre évidemment sur le ring. J'ai nommé Michael Kirby. Qui est donc le challenger numéro 1 qui s'est octroyé le droit d'un soir d'être... Le General Manager de SmackDown est pour tenter sa chance, évidemment, face au chef de tribu, Roman Reigns. Et donc maintenant, il entre sur le ring, convaincu qu'il peut faire la différence, l'Américain. The American Dream. Vous aussi, allumez vos fumigènes pour la matraque de la justice. Michael Kirby. Allez, c'est maintenant Michael Kirby, bien sûr, qui va affronter peut-être ce qui se fait de mieux en termes de divertissement sportif dans le monde. The head of the table. L'ancien membre du Shield. Le champion unifié de la WWE. Et du titre de la WWE. Titre de la WWE unifié en ce moment d'ailleurs. Roman Reigns, le champion universel. Le titre sur l'épaule, mais repartira-t-il avec Roman Reigns, avec ses spears destructeurs, son Superman Punch qui aura fait tomber les plus grands de cette industrie. Et aujourd'hui, tout va changer. Parce que Michael Kirby est arrivé. Et il est là pour redistribuer les cartes d'un univers la WWE bien trop. Qui a tenu trop longtemps le joug du chef de tribu. Roman Reigns. Il est clairement le visage de la WWE aujourd'hui, Roman Reigns. C'est maintenant. Introducing the challenger from Battle Creek, Michigan, weighing in at 275 pounds, the American Dream. Michael, the American Dream. Introducing the champion. Et le champion. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Le titre universel de la WWE. Oh, c'est parti. Ça va être un match de titans, évidemment. Ce soir à SmackDown. Et c'est parti pour ce combat déjà historique entre l'ancien champion des États-Unis Arrow et le champion actuel universel et champion de la WWE également. Voilà, voilà, respecte-moi Roman Reigns. Voilà, et voilà, il envoie une première fois au sol l'Américain.
Allez, directement, il décide de prendre de la hauteur. Et il va faire cette descente de la cuisse monumentale sur le visage de Roman Reigns. Allez, il le suit, il enchaîne. Ouh, dommage, il est venu se... Il est tombé ici. Aïe, 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 il se fait enchaîner. Ah là là, le chef de tribu qui n'entend pas de cette oreille. Ouh. Il vient me taper dessus. Oh, il croit quoi, lui? Attaquer Roman Reigns pour lui infliger des dégâts. C'est cette histoire. Pourquoi, pourquoi il y a cette jauge en haut? Oh là. Aïe. Il va se passer une dinguerie, je le sens sur ce combat. Les choses vont pas se passer comme, comme on voulait. Bien sûr, mais bien sûr, on le met à l'extérieur du ring. Et encore la descente du coude. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il aura le temps? Est-ce qu'il aura le temps de se placer pour aller mettre son spear destructeur? Oh, le spear! L'énorme spear qui est passé. Il va tenter de tomber peut-être. Oh non! Oh non, c'est pas passé. Oh non, le chef de tribu n'a pas dit son dernier mot. Mais Kerbif aussi est là. Oh, il se fait contrer! Oh non, il se fait contrer! Oh non! Oh, c'est terrible. Oh, le compte pour Kerbif! Oh, le Superman Punch! Oh non! Non, c'est pas fini! Oh, le retour! Le retour de Roman Reigns! Oh non! Oh, le spear énorme de Roman Reigns. Oh, est-ce qu'il va tenter de couvrir l'ancien champion des États-Unis? Oui, il le fait. De tomber. Oh non, je n'ai même pas pu. Ok. Allez. Allez. Ça a commencé pourtant si bien. Allez, c'est pas grave, allez. Oh là là, il nous a... Oh mais le mec nous a fait un... Le mec, je l'ai pulvérisé tout le long du combat. Et il nous a fait un comeback. Allez, le suplex. Voilà. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Respecte-moi, Roman. Respecte-moi, Roman Reigns. Bien sûr. Je suis un homme qui peut m'asseoir à ta table, Roman Reigns. Allez. Oh, la descente. Voilà. Voilà. Alors, Roman Reigns, que crois-tu qu'être capable de faire? Allez, je te renvoie à l'intérieur. Bien sûr qu'il croit être meilleur. Et je vais lui montrer que la relève de l'industrie du divertissement sportif est arrivée. Oh, le broad kick sur Roman Reigns. Oh, et le maintenant le bulldog. Ouh, qui est contré par le champion. Ouh, l'énorme coup de la corde à linge. Oh, maintenant l'esquive. Voilà. Allez. Allez, come on, come on, come on. Ça peut passer. Ça peut passer. Le spear. Encore. Oh, le spear énorme. Allez, il va se relever, Roman Reigns. Est-ce qu'il peut lui mettre cette fois-ci le RKO? Oui. Oh, le RKO. Oh, ça y est. Et il le fait, le RKO après le spear. Quoi? Mais faites une prise à Roman Reigns sur le ring. Mais quoi?
excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Il semblerait que Vince McMahon, soit intervenu et demandé à ce qu'on refasse un match parce que Roman Reigns ne s'était pas échauffé. Et malheureusement, il s'est claqué le sourcil supérieur. Et donc, du coup, ce qui fait qu'il était blessé. Et Vince McMahon a trouvé un vice dans le contrat et vient de m'expliquer effectivement que nous devons refaire le match face à Roman Reigns. Écoutez, j'accepte la décision. De toute façon, je sais de quoi sera fait le reste du combat. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est comme ça. Ah, là, Vince McMahon qui voulait garder son petit champion. Bien sûr qu'il aime son petit champion. Oh. Tiens. Tiens, voilà. Le suplex qui est passé sur Roman Reigns. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que tu crois, Roman Reigns? Et voilà, on passe de l'autre côté. On est en train de martyriser Roman Reigns. Il est en train de passer un sale quart d'heure, le champion universel. Aïe, 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 même si bien évidemment il se relève. Oh, il vient de faire le spinning kick. Aïe, aïe, aïe. Oh non, oh non. Oh, il a trois droites gauche directement dans la tête. Il va revenir. Et cette fois-ci, c'est des droites qui sont assénées à Michael Carbiff. Aïe, aïe, aïe. Ah non, Michael Carbiff. Oh non. Oh, la chair à pâté. Mais non, il se rebelle, l'Américain. Bien sûr. Il n'est pas le nouveau phénomène américain pour rien dans la lignée des Hulk Hogan. Et qu'on sort. Ouh, la descente de la cuisse directement. Il va relever Roman Reigns. Allez. Oh là, il va faire une prise. In this Universal Championship match. Yeah, a match he made himself. Allez. Really earned it. Wait a second. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il veut, Jimmy Uso, de ses morts? Oh non. Oh non, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh non, 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 retourne-toi, Carbiff. Assist from his cousin. SmackDown's GM for the night had everything lined up perfectly, but it all changed in an instant due to the returning Jimmy Uso. A distraction and a Superman punch. I'm sure both of these men are going to have a lot to discuss with each other and Naomi. Bon, eh bien écoutez, écoutez messieurs dames, c'est une rivalité, peut-être que dis-je une haine réciproque qui va peut-être naître entre Roman Reigns et Michael Carbiff. En tout cas, encore une fois Jimmy Uso, mais punaise, mais Jimmy Uso, mais en même temps on a aidé sa chérie et puis là il nous crache à la gueule comme ça, il nous crache au visage. Parce qu'il y a un risque quand ça a pris trop près de ma femme. Mais frère, mais j'ai combattu avec ta femme, il veut quoi lui? On a gagné le tournoi parce que tu t'es blessé, c'est ça que tu appelles trop près? C'est moi qui aurais dû la serrer dans mes bras après la victoire pour avoir tenté de décrocher le titre. Arrive à la dernière minute alors que c'est moi qui ai tout fait le boulot. J'en ai assez de me taire, c'est moi, c'est quoi ton problème Jimmy? On était partenaires, rien de plus. Comme ça t'as fait tout le boulot? Et moi alors? Tu as été MG la soirée, t'aurais pu m'intégrer dans le match décisif en faisant un triple threat. Mais non, t'étais très occupé par toi et ton copain. Ça suffit, j'en ai assez, c'est trop tard. Le mal est fait. C'est vrai, j'espère que t'as aimé passer du temps en convalescence chez toi. Parce que tu vas y retourner, organise le match, quoi, Bailey. J'en ai ma claque, laissez-moi en dehors de ça. C'est maintenant que je suis de nouveau MG, c'est officiel. Michael Ovi et Jimmy Uso vont s'affronter la semaine prochaine à SmackDown.
Et punaise, on va, je vais aller. Jimmy Uso, il... ah, j'ai envie de. Oh là 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 là. C'est quoi déjà le nom de l'équipe des Usos et de Roman Reigns déjà? Je vais le pulvériser, Jimmy Uso. Je vous le dis, ça, il va pas me toucher. Il va pas me toucher. La Bloodline, ouais, c'est ça. Je vais le fumer. Je vais vous dire, je vais le fumer. C'est terminé. Excusez-moi. Je profite d'un petit moment d'attention. Juste pour annoncer à Jimmy Uso. Jimmy Uso, sache que je vais te pisser dessus ce soir. Je vais te pisser sur tes petits cheveux. Et ses petits cheveux gominés là. Et puis c'est dessus, Jimmy Uso. From San Francisco, California, weighing in at 251 pounds, Jimmy Uso. Jimmy and Jay Uso. Vous pouvez insulter Jimmy Uso, bien sûr, hein, copieusement. Vous pouvez copieusement l'insulter, y a pas trop de mots dans le chat pour ce plaisant. Tiens. Merci beaucoup, Tiff. Merci pour le 16e mois d'abonnement. Tiens, double axe handle. Coup puceau, Jimmy. Insultez-le. Dites en mode ouh, Jimmy le nul et tout. Genre, soyez bienveillants. Genre, oh, Jimmy le cassos. Vous avez 30 secondes. Ah, il y a feu vers la modération. Jimmy l'implacable. Jimmy le médiocre. Oh le médiocre. C'est quoi d'être un catcheur mid-card depuis des années? C'est quoi d'être dans l'ombre de Roman Reigns? Et d'être le plus nul des Uso? Oh, il est plus nul, mais oh là là, il me fait. Il fait quoi? Qu'est-ce que je peux faire là? Ok, eh bah écoutez, pour l'instant, on est un peu mal en point, on va pas se cacher. Allez, il croit quoi lui? Tiens, célèbre un petit peu, Jimmy Uso. Célèbre. Tu vas voir que, évidemment, la matraque de la justice. Ça va trop sur toi. Tiens, Jimmy le bandit de grand chemin. Gredin. Saltimbanque. Fonctionnaire, Jimmy, pardon. Excusez-moi, je me suis peut-être un peu emporté. Aïe. Est-ce que tu crois? Je me relève, j'en ai un à foutre de mes coups spéciaux. Allez, le clébard de Jimmy Uso. Tiens. Que crois-tu, Jimmy Uso? Tu te crois capable de grandes choses? Tiens, regarde ça. Oh, la souplex inversée. Regarde. Oh, voilà, Jimmy Uso. Hop là, l'esquive. Tiens, le front kick. Allez. Encore. Le public en veut encore. Tiens, je vais te venger. Voilà. Oh, le retour. Attention. Le Hurricane Rana. Aïe. Oh, le Spinebuster. Comment c'est bon, ça se remonte tranquille, y'a rien. Tu veux quoi, lui, il est fou. Allez, relève-toi. Allez, l'esquive. Ouh, le spear. Oh, le spear. Bah tiens, tu veux du spear? Ah dommage. Tiens. C'est écrasé comme un caca.
Gros caca de Jimmy Uso. Tiens. Tiens. Ah, je vais lui faire très mal, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais lui faire mal. Mais, oh, mais ça va aussi. Oh. Allez. Allez, viens là. Allez, relève-toi, Jimmy Uso. Allez, retourne-toi bien face à moi, que je puisse t'appliquer le Spear Destructeur. Et maintenant, vous savez ce que c'est. Trois lettres. Tout bon pour aller en enfer. Encore. Trois lettres. Encore le double RKO. Oh, le double RKO, et c'est terminé pour Jimmy Uso. On coupe, coupé. The American Dream. Qui est venu percuter Jimmy Uso. Qui est venu l'annihiler. L'ont enlevé toute chance de continuer sa progression à SmackDown. The American Dream est devenu The American Nightmare. Jimmy's Usos est devenu Jimmy Usé. Si je peux me permettre l'expression. Bien sûr. Évidemment, je vous propose, on retrouvera Jimmy Uso dans quelques semaines du côté de Pôle emploi, évidemment. Après qu'il ait perdu son travail, après l'humiliation. Est-ce que le mot humiliation est assez fort pour dire ce qui s'est passé là pour Jimmy Uso ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. À mon avis, je pense que c'est plus qu'une humiliation. Partenaire de rechange. Ah mais c'est tout ? Y a pas d'autres trucs avec Roman Reigns ? Y a pas de... C'est terrible. Je vais sortir une nouvelle chanson à SmackDown. Voici un extrait. Tu t'es pointé en pensant que tu étais génial, mais ton travail est bancal. Tu devrais retourner au PC et travailler tes mechanics parce que tes matchs sont pathétiques. Ok. Ce cauchemar auditif est censé parler de moi ? Peut-être. Peut-être pas. Un vrai artiste ne dévoile pas sa muse. Qu'est-ce que tu as à menacer ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Peut-être pas, mais si j'étais toi, je ne jouerais jamais cette chanson. Je la jouerais cette semaine. Arrête-moi si tu peux. Ridicule. Putain, mais maintenant, on avait une chance face à Roman Reigns. On va jouer en mid-card face à Elias, quoi. Oh là là, quelle tristesse. Merci beaucoup, Elzakid. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Oh, alors qu'on était à deux doigts de battre Roman Reigns, quoi. Get ready for the world premiere of Elias's brand new song. Elias d'ailleurs qui a complètement disparu de la WWE hein, pour le coup, on ne sait plus du tout où il est. Hein. Hello, I am Elias and I am the man who come from. I don't know, but thank you. These two had an issue on social media about this song. That must be what this is all about. You want to write stupid songs about me? Huh? Tu veux écrire des chansons stupides sur moi, hein? Tu paies les conséquences. Personne ne va pouvoir entendre cette chanson maintenant. Je vais te faire taire à jamais. Tu vas plus jamais chanter de ta vie. Merci beaucoup, Ryu. Merci pour le... Oh là là. Oh, oh non. Oh là là, hyper violent. Peut-être que tu as raison, mais bon. Au moins, on n'a pas eu à entendre Elias chanter. Ouais. Il a fin de titre. Il a fin de match. Il est la nouvelle star de la WWE, t'es méchant, je suis vilain. Vilain. Merci beaucoup Ryu, merci pour le deuxième mois d'abonnement, bien sûr, merci pour le soutien. Cette chanson ne parle pas de toi, Michael Offie, mais t'es si vaniteux que tu l'as pensé direct. Que ça le soit ou pas, je m'en fous, personne n'aura jamais à entendre ton horrible voix désormais.
À propos de ça, bonne nouvelle, les docteurs s'attendent à ce que mes cordes vocales soient guéries dans quelques semaines. Mauvaise nouvelle pour toi, n'est-ce pas? Mauvaise nouvelle pour toi. C'est ce que ça ne m'empêche de te foutre au tapis dès maintenant. Ah, ok. C'est officiel, Amelia cherche la revanche contre Michael Offie, commence à connaître la musique de SmackDown. Allez. Ben, on va le... On va aller chercher. Donc là, on se battait contre Roman Reigns et là, on va jouer contre, on va se battre contre Elias. The voice of SmackDown may have been temporarily silenced, but Elias won't go down quietly as he takes on the superstar responsible for the ruthless attack. The voice of SmackDown. I thought that was you, Michael. Allez. Observe it, Byron. Wait, is anybody actually upset that Elias can't sing right now? Elias's opponent should be considered a hero. Voilà. Double underhook applied. Voilà. Suplex. Voilà. En train de dévaster le corps à Elias. Voilà. Voilà. Solid kick across the back. Oh, right in the arm. Momentum is running away from Elias. Yeah, Elias has to find it. Voilà. This match grinded him down a little. It's nothing he hasn't been through before. Tough position to be caught in here. Oh, that's how you establish dominance. Oh, Elias, il est en train de prendre la max. Ah, dommage. On a un peu tardé. Tiens, aucun. Que crois-tu? Voilà. Tiens. 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 Tiens, le bro kick. Oh là là, Elias qui est juste martyrisé. Allez, viens là. Viens là. Come on, Elias, come on. Ouh. Oh, le spear. Terrible. Et c'est déjà terminé pour Elias. On l'a pulvérisé. On l'a pulvérisé. Oh là, mais Elias, on a trop le niveau pour la mid-card là. Même pas besoin du RKO, hein, juste un spear terminé, bonsoir. Ah bah voilà, c'est réglé. On l'a juste pulvérisé Elias, bon voilà quoi. Là j'avoue que je crois que j'ai jamais autant déglingué, je crois qu'il m'a même pas touché une fois Elias. La seule fois où je me suis fait mal, c'est moi qui suis tombé, enfin il m'a esquivé, du coup je suis tombé sur le cul et c'est là que j'ai eu mal quoi. C'est la seule fois. Et Michael Offie, j'ai écrit une nouvelle chanson et celle-ci sur toi, tiens un aperçu. T'as essayé de m'empêcher de chanter, mais t'as raté. Je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus respirer. C'est pour ça que j'ai créé, tandis que toi, t'es le fruit de la consanguinité. Ok, pas très sympa. J'ai battu, pourquoi tu continues de parler? Continuerai à chanter sur toi. Jusqu'à ce que tu m'accordes une revanche comme ça. Je vais publier mes chansons partout, sur le net ou ailleurs. J'ai plus d'un tour dans ma manche. Ça rime que très peu. S'il faut qu'on organise un autre match pour que tu taises, ça me va. Faisons un match sans disqualification, que je puisse endommager tes cordes vocales une bonne fois pour toutes. Pas de disqualification cette fois-ci? Ok. Je pourrais te frapper à la gorge avec une arme. Ok. Merci beaucoup Bibouz, merci pour le 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Info, I'm Elias and Michael Offie. Dans le tout premier match, Rhythm and Black and Blues. Avec toutes les armes sont, et toutes les armes sont permises. C'est-à-dire toutes les armes sont permises. Ah mais il faut vraiment qu'on le... C'est le pire troll Twitter. Hein. C'est le pire troll Twitter.
On va essayer, hein, mais. Il est fatigué, je crois, Elias. Il a besoin de quelqu'un le câline. Il a besoin de quelqu'un le câline très fort. Il n'a pas eu assez le book, mais je sais pas. Écoute, je. Ah, oh, c'est Payback! Oh, c'est un premium live event! Payback! Elias! Ladies and gentlemen, Elias! Hello, I am Elias. Personne ne veut l'entendre. Ever since Elias was first attacked on SmackDown, the war of words with his assailant has only intensified. Il m'a déjà tapé bien plus de fois qu'au dernier match. I believe the musical term is a crescendo, Cole, and the volume will be turned up all the way as both superstars look to he goes for the quick pin. Great officiating as the ref noticed he was on the ropes. Moves outside. What's the plan here? Ah, il s'est chauffé Elias d'un coup. Aïe aïe aïe. Mais il est. Good timing with that reversal. Oh, fishing for something beneath the ring. On a ça de dispo. Oh boy, come on, not the chair. Tiens. Elias moves out of the way. Il faisait des petites esquives un peu relou. He knew what was coming. Nothing fancy here. Backbreaker. He's rummaging for some sort of equalizer underneath the ring. With all this in mind, take it from me. Nothing good ever comes from rearranging furniture. Voilà. Just whipped into the table. He's got a plan for that table, and it does not involve a dinner party. Voilà. Passer à travers la table, lui. Tiens, le power bomb à travers la table. Voilà. On est en train de le mettre très très cher, Elias. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une matraque télescopique? Tiens. Aïe. Il y a des matraques télescopiques maintenant? Tiens, le broad kick. Aucun là. He leaves the ring and there's no countouts in this one. Voilà. And now with him going for the table, we're just in straight up appetite for destruction territory here. Tiens, le chemin pour rester bien au sol. Il reste bien tranquille. Oh là, je me suis trébuché sur la. Okay. Elias may be thinking high risk. Blast off. Tiens. A completely ill-advised decision. Likely gonna pay for it in the rest of this match. Ah, dommage. Aïe. Escape just in. Tiens. Ah mais. Elias gets intercepted and responds with a counter of their own. Aïe. Il arrive pas, attendez Elias, allez, aïe, aïe, allez, viens là gros barbu. Mais je suis barbu aussi, mais je suis moins gros, voilà. Looks like he has something planned with his table, guys. Aïe, 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 aïe. Ah bah tiens. Just reeling from that offense. At this stage of the match, they are clearly
Tiens. Voilà. Voilà. Tiens. Ça me laisse le temps de voir ce que je peux faire. Allez. On est incliné, mais bon. I can't begin to imagine what he's got planned here, guys. Maybe it's a Yahtzee. Nice amateur takedown. J'essaie de la mettre inclinée, mais ça veut pas. Aïe, aïe. Que je peux. Aïe. Voilà. Mais il veut pas s'incliner. Voilà. Boy, he is setting up the table, taking this to a whole nother level. Golly, that could do permanent damage. Snapmare. Aïe, 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 aïe. Wow, 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 wow. Ah bah tiens. Ah oh, dommage. Aïe. Aïe. Aïe 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 aïe. I think it's about time to roll the dice. Aïe 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 aïe, terrible. For the win. He breaks the rest count after one. Right now I just don't know what it's gonna take. Oh mais attends, ça va aussi. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. Ah là 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 là, terrible, c'est moi qui prends ma table que j'ai mis 8 heures à poser. Je suis abattu. Ah dommage. Oh non, c'est terrible. Le comeback d'Elias. Aïe 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 aïe, terrible. Dommage, on a perdu un payback contre Elias. C'est terrible. On a perdu. Oh non, alors qu'on a surdominé, je suis abattu. Aïe 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 aïe, terrible. Faire lors d'un pay-per-view. C'est le deuxième pay-per-view auquel on participait. Bon, dommage. Oh, la descente aux enfers, quoi. Punaise, depuis qu'on s'est fait voler par Jimmy Uso, là. On a le droit à une belle, normalement. Tu streams depuis un PC ou un ordinateur? Ah, c'est une très très bonne question, Lord Kiki Osho. Est-ce que je stream depuis un PC ou un ordinateur? Je dirais que je stream depuis un ordinateur. Peut-être un PC aussi. Non, on a perdu quoi, je suis abattu. Non, je stream depuis un PC. Un ordinateur, c'est la même chose. Oh là là, c'est terrible quand même. Il y a toujours une nouvelle rencontre intéressante pour SmackDown. Alors, ce serait que tu vas te prendre Rey Mysterio. Je sais pas combien de temps il serait encore là, alors vaut mieux pas tarder. Rey est-il trop bien pour me demander en personne? Rien à voir, c'est moi le MG. C'est mon boulot d'organiser des matchs. Alors, tu veux affronter Rey ou pas? Bien sûr qu'on va affronter Rey Mysterio. Démolir une autre légende, ça me convient parfaitement. Je crois que ce sera pas si facile, mais j'ai hâte de devoir essayer. Ok, messieurs, dames, dernier match de la session. Le dernier match de la session face à Rey Mysterio. Et puis après, je vous laisserai là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain soir pour le live histoire à 20h. Demain soir à 20h, live histoire. Le rasé sur les côtés, ça fait bizarre. Ah bon, moi je kiffe en vrai. Un petit côté soin.
donne un petit côté soin, c'est kiffant. Here we go, guys. Ok, let's go. Et là, du coup, on affronte. Oh, y a incroyable. L'ancien Rey Mysterio. Alors peut-être. Oh là là, Rey Mysterio. Non, mais il est grand, Rey Mysterio, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Ray's achieved just about every big accolade voilà. In his business. A long career built on punching upwards continues with this match. Though his opponent will have something to say about that. Voilà. A lot of experience and knows in this business. Aïe, aïe, aïe. Stepping up. Après, en masse, il est énorme là maintenant. Je ne vois pas comment ça se fait qu'il est aussi grand. Comment ça se fait qu'il est aussi grand? Je pensais qu'il était beaucoup plus petit, moi. Je trouve ça presque dommage que son fils Dominique n'ait pas pris un masque un peu comme lui. Ouais, grave kiffé. Il y a un tombé de soumission. Ça, il me fait pas respirer, hein, Rey Mysterio là. Merci beaucoup, Alice Foxy, merci pour le Prime. Bien, voilà. Voilà, on le relève, Rey Mysterio. On va le relever, on va lui faire une petite prise qui nous met bien. Voilà. Voilà, tranquille Ray Ray. Il va kiffer, t'inquiète. On va le calmer un petit peu. Voilà. Faut pas qu'il prenne trop de vitesse, bien sûr. Rey Mysterio. Voilà, c'est bon ça. Il y a American Dream qui est en train de faire voir des étoiles à Rey Mysterio. Voilà, on le suit tout de suite dans le coin. Oh le. Le suplex inversé. Tiens. Oh Rey Mysterio, oh Rey Mysterio, oh Rey Mysterio, est-ce qu'il est prêt seulement, est-ce qu'il le sait? Ouh, le coup de genou. Terrible, terrible coup de genou, salvateur, salvateur pour le Mexicain. Oh. Et quoi? Aïe, oh le 619, no way, no way 619, no. Oh là là, il nous a mis le premier 619. Oh alors là, il y aura un 619 ou pas? Insolent, insolent. Tiens, tu veux encore? Voilà. Voilà ce que je dis. Quand on vient essayer de mettre la pression. Voilà. And he has to start protecting himself from attacks to that area. On est en train d'enchaîner Ray Ray. Oh là, il est en mauvaise posture, le Mexicain. Et l'Américain, en revanche, qui va prendre les dessus. Oui, là, tout de suite, la descente de la cuisse. La guillotine.
Oh là là, et encore le travail au niveau de la tête, hein, bien sûr. Oh, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire, Kirby, regardez-le. Il va essayer d'envoyer le Mexicain dans le coin. Et là, il peut plus rien faire, le Mexicain. Il pourra pas esquiver grand-chose. Et là, le Canadian Destroyer supplément barbecue pour venir éteindre le catcheur mexicain, le luchador, malheureusement qui n'aura pas vu, la, n'aura rien vu face à son adversaire du soir. Mystifié, Mysterio. Oh là là, les fils devant un 619, c'est vrai que, mais en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi massif quand même, un Rey Mysterio. Vraiment pas du tout. Hein. Ça m'étonne de ouf. Franchement, je pensais que c'était un tout petit modèle et au final, classique. Hein. Il fait presque ma taille. Je pensais que le combat contre la légende Rey Mysterio serait plus intense. Il est dans les circuits depuis trop longtemps, juste que son variant de fils ait le boulot à la WWE. Au moins, Eddie est obligé de voir ça. Fermez de la fermer et prononce jamais plus jamais le nom de Eddie. Donc Eddie Guerrero qui était l'ancien best bro de Rey Mysterio mais qui est décédé malheureusement. Je vais faire bien plus que ça, le SmackDown de la semaine prochaine se déroule à côté des archives de la WWE, non? Très bien de rendre hommage à Eddie avant le show. Ah ouais. Ah ouais, c'est violent quand même. Ah ouais, moi je réponds plus de rien de ce que dit Kirby, hein. Par contre là il va trop loin. Il va un peu loin quand même, Kerbif là. Wait a second. You gotta be kidding me. Is this what I think it is? We saw him invoke Eddie Guerrero's name on social media and Rey Mysterio was not clean. Et là il prend l'entrée de Eddie Guerrero. Aïe 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 aïe. He said he was gonna visit the WWE archives. What a disgrace. Oh le salaud, il prend l'entrée de feu Eddie Guerrero. Salut ça, comment ça va? Oh non, Kirby, il va trop loin. Même si venir dans le lowrider d'Eddie n'était pas assez, il se met désormais à copier ses manières, c'est pathétique. Ah ouais, là, on va loin. Aïe, 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 aïe. Il est en train de... Ouh là là, l'hommage... Ah, il copie l'entrée de... Là, Ray, il va nous attaquer, là, il en peut plus. Aïe, 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 la honte sur nous, hein. Là, on va prendre la pression, hein. Côté obscur est fort en toi, Kirby. Bah là, c'est le côté plus qu'obscur, là. C'est le côté plus qu'obscur. Chad Gable might be one of the few guys you could call a savant of wrestling. Chad Gable. Oh, le jobber. Merci beaucoup, de Will. Merci pour les deux abonnements offerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à toi. His trading tactics are borderline bizarre, and at times his confidence is kind of intense. I can't argue with you there, Byron. But whatever it is that Gable does in his training sessions, the results in the ring speak for themselves. But he'll be facing. Merci beaucoup pour les deux abonnements offerts, c'est très cool. Merci pour ça. Someone ready to claim a spot at the top of our business. And proving a bit slippery for them there. Chad Gable, c'est vraiment un... Il est encore à WWE, lui ? Oh non ! Oh ! Stun gun ! Aïe, 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 aïe. Oh, tossed aside. And he's out of there in a nick of time. He climbs into the ring. Voilà. And Gable had it scouted. He gets out of the way. Voilà, il fait quoi, lui ? Merci beaucoup pour les 500 bits, merci Yonali. Merci beaucoup. Mais ça va là.
prend quoi lui? Il se prend pour qui? Il prend pour qui, gamin? Donc on va le laisser faire. Voilà. Oh, il est balancé. Il est balancé comme une vulgaire chaussette. Aïe, le cul. Oh, le Brodsky qui passe pas. Voilà. C'est qui le boss? Oh là là, Jack Gable, on est en train de le martyriser. Tout simplement. Voilà. Ah, il prend très cher à Jack Gable, hein. Voilà, et là, dans le coin. Voilà. Voilà. Oh, le travail au niveau de la tête. Ouais, maintenant, il se prépare pour le JBE. Ouh. Oh non, Chad Gable qui est vraiment de la chair à canon. Oh, comment il fait? Quoi? Comment il a fait pour me contrer? Comment il a fait pour contrer après le... Aïe, 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 aïe. Mais attends, il est fou lui. Après, tout, après le spear, il a réussi à me contrer. Comment est-ce qu'il fait? Indigent. Indigent de Chad Gable. Non, 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 non. Quoi? C'est interdit. C'est interdit, monsieur l'arbitre, il a pas le droit. Oh là là, c'est interdit, monsieur l'arbitre. Il a le droit, mais pas longtemps. Voilà. Tout le monde est d'accord, au moins. Oh, mais hey, il se réveille, hein, Chad Gable, là. Il va se laisser avoir, lui, hein. Tiens. Voilà. Il est pour qui? Encore. Voilà. Oh, la petite descente ici. C'est du classique. Et la souplex. Oh là 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 là. On est en train de faire très très mal à Chad Gable. Mais quoi, mais quoi? Aïe, c'est quoi? Aïe. Oh. Oh là là, mais attends, mais il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est... Aïe. Et je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Aïe. Allez, mais... Tiens, allez. Guillotine. Tiens, insolent. Que crois-tu? Que crois-tu, insolent? Tiens, voilà, c'est terminé. Je sais pas ce qu'il a cru, mais c'est terminé maintenant, Chad Gable. Et voilà. Qu'a-t-il cru? Ah là, Chad Gable, ça dégage. Et voilà. Merci beaucoup Dumble Jim, merci Dumble Jim, merci beaucoup pour merci pour l'abonnement. Chad Gable plus fort que Rey Mysterio, on le notera. C'est vrai. C'est vrai qu'il nous a mieux tenu. Il nous a mieux tenu en respect que Rey Mysterio. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, messieurs, dames, sur ce, j'avais dit que c'était le match de Rey Mysterio le dernier de la journée, mais en vrai, on va se laisser. Tu vas trop loin, Michael, officiel. Quoi ? Le Lowrider ? C'est mon hommage à Eddie. Il serait sûrement plus fier que ce que. De ce que t'as fait de ta carrière et. Certainement plus fier de ça que ce que ta carrière est devenue. Tu dois rendre la voiture d'Eddie maintenant, ou on va avoir de sérieux problèmes. Non, je crois que je vais la garder. Et si ça te plaît pas, retrouve-moi sur le parking et essaie de me la reprendre. On verra ça, messieurs, dames, au prochain épisode. Les embrouilles avec notre ami Rey Mysterio. Après, on est un gros bâtard, on va pas se le cacher. Mais écoutez, il en faut. Il faut pour qu'il y ait des héros, il faut des grands méchants. Et je crois qu'on est en train de parfaitement remplir notre rôle du côté de SmackDown, bien sûr. Messieurs, dames, demain, programme de la journée. Demain, nous avons notre émission Live Histoire à partir de 20h demain, bien sûr. J'espère vous voir nombreux pour cette émission. Je le rappelle, demain, nous accueillons donc Raphaël Branche, qui est historien spécialiste de l'histoire de l'Algérie, bien sûr, et nous reviendrons dessus. Et jeudi, on continuera notre aventure sur WWE 2K 2022, et on verra si on arrive à choper le titre de la WWE. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez kiffé. On se retrouve demain, évidemment, pour un prochain live. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis, moi, rendez-vous demain 20h. Merci à vous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont pris le temps de claquer des primes. Vraiment, ça fait trop plaisir parce que souvent vous avez des primes qui dorment. Il ne faut pas hésiter à aller les réveiller. Hein, les primes, c'est important, bien sûr, ça ne vous coûte rien et en plus ça soutient votre créateur préféré. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Je vous fais des gros bisous. Merci à la modération aussi qui a été là. Merci à vous qui avez suivi le live. Merci évidemment. Pour ça, et puis rendez-vous tranquillement mais sûrement demain. Je le rappelle aussi avant de se quitter, si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous vous demandez que faire maintenant, je ne peux que vous renvoyer vers évidemment le replay du JDR de mardi dernier, de vendredi dernier. N'hésitez pas à aller le checker, il est disponible d'ores et déjà, donc voilà, sur la chaîne replay. Des gros bisous tout le monde et puis rendez-vous demain à 20h. Ciao ciao, salut.